Good morgen, allez, Iden les sera aujourd'hui. Il est Elohim Nishmat, Richard Aaron, Ben Fortuné Mazal, Claude Itrag, Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la sa communauté éternelle. Nous étudions le Sechet Shkalim, Perikret, Mishnah Dalet. Parochet Shenitmet Bivlad Atuma, Matbilin Ota Bifnim, ou Machnissin Ota Miyad, Let Shenitmet Beav Atuma, Matbilin Ota Bachutz, ou Shotrin Ota Bachail. Vim Aita Chadasha, Shotrin Ota Algaga Istaba, Kedei Sheiru Aam, Et Melachta, Sheina A. On va parler à présent, jusqu'à la fin du chapitre, dans l'avant-dernière Mishnah, la dernière Mishnah va être un peu différente, mais dans la prochaine Mishnah, on va parler des sujets d'objets qu'on trouve, d'objets qui vont être en contact avec une impureté à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est un peu le thème, un peu en rapport avec l'histoire qu'on avait vu dans les Mishnah précédents, avec le couteau qu'on trouve à Yerushalayim, est-ce qu'on peut lui faire la Shrita et tout ça. Du coup, on va se mettre à parler maintenant de certains, la gestion du Beth Amikdash par rapport aux lois d'impureté. Et on a un premier sujet, c'est la parochet shenitmet bivlad atuma. La parochet, c'est le rideau qui séparait, qui était au Beth Amikdash, qui séparait entre le Kodesh HaKodeshim et le Echal. Il y avait là-bas un grand rideau qui sera longuement détaillé dans la prochaine Mishnah, de quelle manière il était fait. C'était somptueux, comme on le découvrira. Et la Mishnah me dit, s'il a été en contact avec une impureté de vlad atuma, littéralement, pardon. Littéralement, le petit de la Touma. Les règles d'impureté, ça se passe comme ça. Il y a le avi avot, c'est la plus forte impureté, c'est le mort lui-même, dans la mesure où il véhicule une impureté, que si je vais moi le toucher, je vais devenir moi-même avatouma. Et après le avatouma, celui qui a un niveau de avatouma, c'est lui la source de la Touma. Ça peut être celui qui est en contact avec le mort, mais pas que. Ça peut être aussi celui qui a le reptile mort, la souris morte, une nevela qui est morte, les mashkeazav, aussi le zav, la zava, les liquides qui vont sortir, s'il y a la glaire qui lui sort, alors c'est l'urine aussi, c'est le même principe, du zav ou de la zava. Alors, tout ça, ce sont des av atouma, ils véhiculent une très forte impureté. Ça s'exprime comment? Ça s'exprime que si un homme ou un objet les touche, ils vont eux-mêmes devenir impurs. Par contre, si un homme ou un objet va les toucher, il va devenir impur. Après, cet homme-là, lui maintenant, l'homme qui est devenu impur, il est devenu lui-même Vlad Atuma. S'il va toucher ensuite un objet ou un autre homme, il ne va pas le rendre impur. S'il va toucher un aliment, alors là, oui. Parce que Rishon, il est Metameshani. Mais pour en rendre impur un être humain ou un objet, alors il faut nécessairement être Avatuma. D'accord? Malgré tout, Rami ont fait un décret pour les liquides qui sont Vlad Atuma. C'est-à-dire, si j'ai eu un liquide qui a été en contact avec un mort, par exemple, ou en contact avec une souris morte, le liquide, maintenant, en théorie, il est Vlad Atuma. Donc, si le liquide va toucher un objet, ou un homme, il ne va pas le rendre impur. Ramim en fait un décret spécifique sur les liquides, en décrétant qu'ils vont véhiculer une impureté comme si qu'ils étaient Avatuma. C'est à cause des liquides qui sortent du Zav qu'on a évoqué. Ils ont fait de peur qu'on va commencer à dire « Ah, les liquides, c'est que Avatuma, c'est que Vlad Atuma ». On va se retrouver avec un Zav qui va postillonner et on va dire « Ah non, c'est que Avatuma alors que c'est une impureté très grave. » Ramé en fin d'écrit sur tous les liquides. Ok? Donc, selon la Torah, quand on touche un Vlad Atuma, un homme ou un objet qui va toucher un Vlad Atuma, il ne va pas devenir impur. Donc, si on a un Vlad Atuma, un liquide Vlad qui va toucher la parochette, le rideau du Ketobet Amigdash, il ne va pas le rendre impur. Mais Rachami m'ont fait un décret. Puisqu'ils ont, c'est une touma qui n'est que Midera Banane, alors Chachamim l'ont donné certaines coulottes. Ils ont allégé certaines halakhot. En l'occurrence, Matbilinota Bifnim, on pourra la tremper dans l'enceinte de la Hazara. À la différence en fait de la fin de la Mishnah, le que j'annonce tout de suite, je vais vite arriver sur la suite de la Mishnah, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait décréter pour si on est en contact avec un Avatuma. Ensuite, on réexpliquera qu'est-ce qui se passe si on était en contact avec un Vlad Atuma. Pour le moment, la Mishnah me dit tu peux faire la Tvila à l'intérieur, dans l'enceinte de la Hazara. Et aussi, au Machnissi Notamiyad, une fois que tu l'as fait la Tvila, tu la resuspends de nouveau là où elle était, immédiatement si tu veux. Tandis que Ve'etchenitmet Be'avatuma, si on a par contre un rideau qui a été impurifié par un Avatuma, il y avait une souris morte qui était en contact avec lui. Donc maintenant, il a une impureté. Alors attention, Matbilinota Bachutz, il faudra la tremper au mikvé à l'extérieur de l'Azara, ne pas la tremper à l'intérieur de l'Azara.
Pour quelle raison? Shiluach Amachanot. Ce qui est impur dans la Torah, il faut le sortir le plus vite du Beth Amigdash, on n'a pas le droit de le laisser. Du coup, si on a maintenant, elle a été impurifiée, là, le rideau s'il a été impurifié, il faut le sortir le plus vite de l'enceinte de la Hazara. Ok? Madhulé Nota Bachutz. Et ensuite, Veshotri Nota Bachel. Il va falloir que tu le mettras à sécher. Ensuite, une fois que tu viens d'être rempli, tu le mettras à sécher. Dans le Khail, c'était à l'extérieur de l'enceinte de la Hazara elle-même, c'est encore à Arabaït. Il y avait un certain niveau, ça marquait une distinction entre deux niveaux de Kdusha. Il y avait trois niveaux de Kdusha à l'intérieur, depuis le Harabait à l'intérieur du Khail et dans la Hazara. Et là, donc tu l'accrochais dans cet espace qui était déjà à l'intérieur du Harabait, tu n'étais pas obligé de le sortir complètement de la Hazara, mais tu dois quand même le laisser là-bas dans le Khail. D'accord? Ok. Maintenant, Vimaita. Maintenant, la Michelle me dit, Vimeta Khadasha, si c'était maintenant un rideau qui était tout nouveau, qui vient d'être fait, alors là, Shotrinota Al-Gaga Itztaba, on l'accrochait Al-Gaga Itztaba, on l'étendait en fait pour qu'elle sèche, sur le toit de la Itztaba, sur le toit du balcon en fait, on va dire comme ça, il y avait tout autour de Arabaït, il y avait un balcon qui était accroché. Pour quelle raison il fallait l'accrocher là-bas? Kede Sheiru Aham et Melachta Sheina, afin que le peuple voie comme elle était belle et somptueuse. Cette parochette, ce rideau qui séparait. Je récapitule très rapidement parce qu'il faudra un petit point. Selon la Torah, lorsque la parochette elle est devenue impure, alors si elle a une impureté de la Torah, il faut l'exclure, la sortir le plus vite possible de l'enceinte, de la Hazara, parce qu'on n'a pas le droit de laisser une impureté dans la Hazara elle-même. Une fois qu'on la sort, maintenant, il faudra la tremper, bien sûr, au mikvé, et la mettre à sécher aussi. Selon le cas, on la mettra la sécher dans un endroit qui soit bien visible pour que les gens voient comme elle était belle. Par contre, quand c'était une impureté qui était que Midera Banan, alors Rami, on dit, si tu veux, tu fais la shrita tout de suite. Et même quand tu fais la shrita tout de suite, tu n'as pas besoin d'attendre le dvulium. C'est-à-dire, je voulais préciser, dans l'impureté de la Torah, tu n'as pas le droit de la remettre immédiatement après. Parce que la plupart des impuretés de la Torah, lorsqu'on se rend au Mikvé, on ne devient pur complètement pour re-rentrer dans l'enceinte du Beth Amikdash que le soir. Arev Shemesh. Le soleil doit se coucher, et seulement après on pourra commencer à re-rentrer dans la Hazara. Quelqu'un qui est impurifié, quelqu'un qui a eu un épanchement nocturne, il va se tremper au mikvé, il est à moitié pur, il n'est pas complètement pur. Pour entrer dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, il devra attendre le Ha'arev Shemesh, attendre le coucher du soleil, d'accord? Petite précision maintenant qui est rapportée dans le Tosfot, il y a une certaine difficulté, vous savez qu'un rideau qui est fixé, il ne véhicule pas d'impureté, parce que c'est Mechoubar la Kaka. Il est fixé au sol et il n'a pas de véhiculer d'impureté. C'est autant que les meubles qui sont fixés au mur, tout ça, ça ne véhicule pas d'impureté. C'est plus des métaltalines. Et en fait, la réponse à ça, donc du coup, pourquoi la parochette est impure? La réponse qui propose le Tosfot, une des réponses, c'est que de temps en temps, lorsqu'il fallait transporter des ustensiles, Kadok Doshim, qui venait du Beth Amikdash, on les enveloppait dans la parochette et on les transportait ainsi. Et donc du coup, il s'avère que c'est aussi un ustensile avec lequel tu transportes quelque chose, donc ça véhicule un peu. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.